Alors, j'ai débloqué Ozormox, bienvenue. Donc, on continue. Après la planète X, nous passons donc en 2019 à Neo Tokyo. C'est dans pas longtemps, 2019. On va voir s'ils sont vachement optimistes par rapport à l'avancée technologique ou pas. En tout cas, Neo Tokyo, c'est une des missions, si je me souviens bien, que j'étais plutôt content d'avoir refait parce que je vous aurais fait perdre un temps fou pendant le let's play parce que j'étais bloqué au début, j'ai refait la mission genre une dizaine de fois avant de comprendre. Parce qu'il y a un truc en fait qui est, encore une fois, pas forcément très très bien expliqué. Et en plus, le pire, c'est que je me souviens plus exactement comment on fait. J'espère que je vais pas me planter. Parce que du coup, ça fait quand même un certain temps, je l'avais refait exprès avant le let's play et tout, mais entre-temps, j'ai un petit peu oublié. Bon, on verra. Neo Tokyo, quartier général de Tech. Le gang de pirates de Sadako a volé un prototype de cybergénérateur dans un des laboratoires du gouvernement. Il paraît que ce générateur contient des matières organiques extraterrestres et qu'il fonctionne grâce à l'énergie du cristal. Les pirates ont implanté de faux documents dans les ordinateurs du laboratoire de manière à faire accuser Fantôme de l'effraction. Maintenant, les policiers sont à ses trousses et ils fouillent le quartier de Tech pour le retrouver. Fantôme ne peut être innocenté que d'une seule manière. Il doit filer un des pirates jusqu'à leur base de recherche secrète et rassembler les preuves dénonçant leur activité. Voilà. C'est la principale difficulté au début, ça va être de suivre un mec, ou je crois que c'est une meuf, sans se faire repérer. Ah bref, vous allez voir. Et je sais pas ce que ça va rajouter en moyen, encore une fois. Ça, ce sera à vérifier sur le tas. Le tas. Ok. Donc je dois suivre cette gonzesse discrètement. Je peux m'accroupir, ouais. Je vais m'accroupir peut-être un peu. Après, faut que j'ai l'air d'un civil normal, donc c'est peut-être pas forcément une bonne idée de s'accroupir. Bienvenue à Neo Tokyo, en tout cas. Ah ouais, ils ont déjà des voitures volantes en 2019. Ouais, non, ça... What? What the fuck? Bah du coup c'est mort j'imagine. Parce que j'étais censé suivre cette gonzesse et si elle me tire dessus... Je vais vérifier si je la tue ce que ça fait mais à mon avis c'est mort. Voilà. Du coup la mission est un échec normalement. Échec des objectifs, faut commencer la mission. Ça va être bien casse-couille parce que... S'ils rajoutent... Enfin, normalement, en fait, vous n'avez pas les voitures de police qui vous repèrent comme ça. Mais là, si vous avez les voitures de police en plus... Ça va être bien casse-couille, quoi.
quoi, ils ont des voitures volantes. Ce qui, comme je le disais, est un petit peu optimiste à mon avis. Si en 2019 on a les voitures volantes, c'est qu'on aura fait vraiment un bond technologique monstrueux d'ici là. Voilà, c'est bon, la voiture volante est passée. Donc elle est partie par là, elle a dû descendre les escaliers. Je la trouve pas. Elle est là. Je crois que c'est elle. Putain, mais il y a des caméras maintenant en plus. Ok, elle est juste là, donc faisons attention. Bon, je précise, si à un moment hein, je bloque sur une mission vraiment beaucoup trop, je passerai peut-être en facile, hein, c'est pas... je m'interdis pas de le faire. Parce que je vois que les objectifs deviennent de plus en plus corsés. Et ce serait dommage de bloquer complètement, quoi. Je pense que Fantôme, ça doit être un criminel qui doit être recherché. C'est peut-être pour ça que les flics ont l'air d'être vachement à fond, là. Et je l'ai perdu de vue, l'autre, ou comment ça se passe? Normalement, je suis en angle mort. Ouais, c'est bon. Là, je l'ai complètement perdu de vue, là. Et cette mission est très chiante à recommencer, parce que... Vous devez suivre la fille, mais... Ah bah attendez. Normalement c'est par là. Ouais, c'est bon, j'arrive juste à temps. C'est bon, je suis dans la base. C'est tout ce qui compte. Voilà, c'est ça en fait le... Alors je vous explique un petit peu la nuance, je me souviens maintenant, c'est... En fait, vous suivez la pirate jusqu'à la base, et vous devez pas vous faire repérer, bien évidemment. Bon, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas les caméras, il n'y a pas les flics, donc c'est plus simple, en facile. Mais la nuance, en fait, c'est que si vous laissez la pirate trop s'enfoncer dans la base, elle ferme, ils ferment derrière eux, ils mettent une espèce de portail laser, en fait, qui vous bloque, et vous pouvez pas rentrer. Et du coup, ça vous fait échouer la mission. Et en fait, la petite nuance, c'est qu'au moment où ils arrivent dans la base, il faut que vous vous fassiez volontairement plus ou moins repérer, en fait. Que vous fonciez dans le tas et voilà, que vous rentriez à l'intérieur. Par contre, du coup, j'ai pas d'arme. Donc il faut que je tue quelqu'un pour en récupérer une. Putain. Bon, j'ai une arme. What? C'est sérieux là? Putain, ouais, je crois qu'il y avait un autre truc aussi. Attendez. Oui. En fait, faut pas se faire repérer, faut juste rentrer sans se faire repérer par la pirate. Parce qu'en fait, cette fille est censée... Elle est censée taper un mot de passe et j'utilise les caméras pour voir ce qu'elle tape en fait. Donc je suis obligé de recommencer. Putain, c'est casse-couille. Bon, allez, on réessaye. Et j'ai plutôt bien réussi à pas me faire repérer la première fois, pas la deuxième fois. Il n'y a pas de raison que j'échoue pas. Si je suis prudent, tout va bien se passer. Normalement, si je reste derrière ce poteau, déjà je suis pas repéré. La voiture de flic arrive. On attend qu'elle passe. Voilà. Allez, on suit la pirate. Elle est où cette grognasse? C'est elle ou pas? Non, c'est un civil. Je l'ai perdu de vue. Non, elle est là, c'est bon, je la vois.
Voiture de flic. Je sais pas trop où est la pirate. Bah, j'ai eu de la chance en fait parce que je me souvenais qu'il y avait ces putains d'égouts où il fallait rentrer. Donc ouais, ça doit être par là du coup. Oh putain, j'ai failli oublier cette caméra. Donc ouais, là les égouts sont là. Faut que je me dépêche parce que sinon je vais me faire un niquer. Ah putain, vite. Vite, 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 vite. Voilà, c'est bon. Donc là, il faut être prudent. Déjà, il faut arriver à rentrer. Voilà, j'ai réussi à rentrer, je me suis pas fait repérer. Et là, je regarde les caméras. Là. Là, voilà, c'est là. Sur cet ordinateur, là. Voilà, c'est un petit peu what the fuck que je puisse arriver à lire d'ici ce qu'elle a écrit. Mais c'est le cas, j'ai réussi à lire ce qu'elle a écrit. Donc voilà, maintenant, on peut avancer. Chat. Attaque surprise. Je vais tout désactiver en fait, parce que ça me stresse ces caméras. Voilà. Ouais, Yann. Point d'étape atteint. Ah, j'aime bien atteindre les checkpoints. Voilà, donc là, on peut saisir le mot de passe. Ça ouvre la porte, non? Oui, ça ouvre la porte, on est d'accord. Oh putain! Bonjour! Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Moi, ça va, perso. Oh, on va se calmer, hein. On va se calmer, ok, les gars? Enfin, les filles en fait. Les grosses, c'est des grosses. Des grosses jappes. Ouais, cartouche Astrolander. Ouais, ça c'est des. En fait, c'est des petits jeux qu'on peut avoir avec le l'appareil là qui où j'ai la minimap. Genre l'Anaconda, en fait, c'est le jeu genre Snake. En attente des données. Ben, on va te les enfoncer tes données. Pourquoi c'est écrit en français au Japon? Vous m'expliquez? La porte est verrouillée. Ah ah! Ouais, c'est bien beau tout ça, mais comment je fais du coup? Bon, on va revoir mes objectifs, je crois que je les ai même pas regardés d'ailleurs. Suivez la pirate jusqu'à sa base de recherche, obtenez le mot de passe, rassemblez les preuves des recherches des Time Speeders, téléchargez les preuves sur le serveur de la police locale, récupérez le cristal du temps, minimisez les dommages civils. Bon, pour les dommages civils, c'est pas un problème. Bon, on va retourner en arrière. Est-ce que j'aurais loupé quelque chose? Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une caméra, non? Je crois que c'est une caméra. C'est un appareil photo. Voilà. J'ai pris en photo le Time Speeders qui est dans la pièce à côté. Et j'ai pris en photo les plans. Alors, je peux télécharger les données sur le serveur de la police. Voilà.
Hein? Bon. Les tourelles automatiques vont me faire chier, évidemment. Donc on va s'en débarrasser autant que possible. Ok. Voilà. Est-ce que cette porte est toujours fermée? Non, elle est ouverte. Wow. Ce Time Splitter se pète un câble. Vitre par balle, évidemment. J'aurais dû m'en douter. Est-ce que le détruire est une nécessité? Est-ce que c'est lui qui contrôle le Time Splitters? Immortel ce mec! Désactiver la machine des Time Splitters. Donc, oui, j'imagine qu'effectivement. Attendez. Il y a peut-être un interrupteur. Là! C'est bon. Wow, 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 wow! Qu'est-ce qui me tire dessus? Ok, qu'est-ce qu'il me reste comme objectif? Récupérer le cristal. Bah le cristal, je sais pas où il est. Je sais toujours pas où il est. Et je trouve ça étrange d'ailleurs que je n'ai aucun indice sur l'emplacement du cristal. Je vais refaire un tour des fois que... Wow, putain mais... Vous allez me lâcher bande de salopes. C'est que des meufs dans ce gang en fait, y a pas un seul mec j'ai l'impression. Peu importe. Je suis en train de me faire tuer. Je suis en train de me faire tuer. Putain. Putain ouais mais avec un pistolet silencieux c'est franchement pas le top du top. Hein. Bon on va reprendre au checkpoint. Le checkpoint. Ah ouais d'accord c'était là. Bon je sais ce qu'il faut faire donc ça va aller vite. C'est toujours 1005. Ouais c'est toujours 1005. Ok. Salut bonhomme. Enfin, bonne femme. J'ai du mal à me faire vous êtes des femmes en fait parce que. Vous avez l'air tellement de baraque. Ah et c'est là que j'ai trouvé l'appareil photo, d'accord. Donc j'utiliserai ma mitraillette. Peut-être sur la fin finalement. Ça me paraît pas utile de l'utiliser maintenant. C'est bon ou pas? Bon. Voilà, là c'est bon. Là, c'est super dur à viser avec ce système. Ouais, je suis obligé d'utiliser ça, hein, sinon c'est quasiment impossible de détruire ces merdes. Ça fait chier parce que cette arme me serait bien utile quand les ennemis commencent à arriver, quoi. Allez, 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 hop là! Putain, dégage!
d'autres ennemis. Voilà, 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 voilà. Bonjour, au revoir. Bonjour, au revoir. Ça va beaucoup mieux avec cette arme. Voilà, tout se passe bien. Wow, 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 qui c'est qui balance des grenades là? C'est qui le bourrin qui balance des grenades? Et qui m'empêche de monter accessoirement? Putain, mais. Neo Tokyo, c'est la zone! C'est mal famé! Sortir dans la rue sans se faire tirer dessus, quoi. Je sais pas du tout où je dois aller, ça m'énerve. Par ici, j'imagine. Je suis suivi ou quoi? Non? Non, c'est bon. Qu'est-ce que... Y'a rien ici. Putain, mais c'est où qu'il faut aller? Encore une fois, on se retrouve dans une situation où je sais pas où aller parce que... Parce qu'il rajoute des trucs ou je sais pas. Là, y'a de la vie, là. Hop. Oh, putain. Merci. Ah, cette arme existait déjà à l'époque. Genre en fait cette arme ils l'ont pas améliorée en 200 ans quoi. C'est les flics que je suis en train de buter là. Fuck les flics. Le cristal temporel a été repéré. J'aimerais bien le récupérer. Je pense qu'il est temps de se barrer là. Les flics en plus, ils sont en train de se battre contre les gangs, c'est très bien. Je suis avec vous les mecs, putain c'est moi qui vous a... C'est moi votre indique. Vous comprenez ça? Le cristal temporel est... genre... sur elle en fait, je crois. Sauf que je vais mourir. Sérieux quoi. Y a pas moyen d'avoir la paix. Genre jusqu'à la fin de la mission. Après je demande ça gentiment. Hein. Après si vous voulez pas je comprends mais voilà, j'aimerais bien vraiment être tranquille parce que je me sens pas très très bien en fait. Vous savez la santé, tout ça, c'est important. Ok, le cristal temporel est là. Je l'ai. Oh putain, non! Non! Non, quoi! C'est dégueulasse! Putain, et il n'y a pas de checkpoint entre temps. C'est abusé, quoi. C'est juste abusé. J'avais juste à aller à la fin du niveau et c'était fini, quoi. C'est là qu'on voit que ça commence à être chaud, hein, que je vais peut-être devoir baisser la difficulté d'ici pas longtemps. Ah.
Crève, salope. Oh, je récupère tout ce merdier. Voilà. Je crois que c'était tout, hein. Oui. Oui, c'était tout. Ok. Ensuite. Donc, on prend en photo cette merde. Et les plans. Ouais, y a pas besoin de prendre le truc dans le fond, c'est bien ce qui me semblait. Hop. Voilà. Voilà, j'ai gâché beaucoup trop de munitions pour ça, mais c'est pas grave. Ensuite. Ya bon. Demi-tour. Excusez-moi, je suis en train de mourir. Putain. Cette vieille crise de toux, j'en ai les yeux qui pleurent. Putain, excusez-moi. Allez, crevez. Bande de cons. Voilà, merci pour les mini-balles. L'autre qui balance ses grenades. C'est là, ça devient l'anarchie totale. Je pense qu'il vaut mieux pas perdre de temps et vraiment aller vite parce que... De toute façon, il va y avoir plein d'ennemis et je pense qu'ils arrivent plus ou moins à l'infini. Donc rester sur place, c'est vraiment le meilleur moyen de me faire buter. Donc je pense que c'est l'autre meuf là. Je crois que c'est la chef du gang en fait. Voilà, ça c'est la chef du gang et elle possède le cristal. Ouais, mais je veux le... Ah non, c'est bon, je peux m'échapper par le portail, ça y est. Il est où le portail? C'est la question. C'est la question à 10 000 euros. Il a l'air d'être par là. Il est vraiment par là? Il est à droite? Je crois que je vois où cette histoire me mène. Ça va, ça vous choque pas qu'il y a un portail derrière vous? Allez hop, j'y vais. Bon, j'ai quand même été plus vite que la mission précédente. Mais je dois avouer que je suis pas fan de cette mission. Hein. Elle est très très chiante hein, quand même. Elle est encore plus chiante en moyen qu'en facile, quoi.